Un Tour de France, ça prend de la place. À Périgueux, mardi matin, le centre-ville sera coupé du reste du monde. Dès 2h du matin, les parkings Montaigne, de la place de la Clôtre et de l'esplanade Badinter seront vidés. Au quartier Saint-Georges, la circulation sera interdite à partir de 10h. J'habite à Saint-Georges et je suis vraiment embêté pour garer ma voiture. Parce qu'on m'oblige à l'enlever, donc je ne sais pas où je vais me mettre. Attention, pour les habitués du parking Tourny, la zone sera entièrement évacuée au cours de dimanche après-midi. Alors si vous ne voulez pas que votre véhicule se retrouve en fourrière, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour les amoureux du cyclisme, il sera toujours possible de venir à Périgueux en se garant sur trois parkings relais, à Créavallée, à Trélissac, avenue Michel Grandoux, et ici au parc des expositions, avec des navettes gratuites pour accéder au centre-ville et voir les coureurs. Sur le parcours de l'étape, la route sera coupée une heure avant l'arrivée de la caravane jusqu'au passage de la voiture balai, soit une moyenne de 4 heures d'interruption du trafic. À Bergerac, le tour arrivera à Piquecaillou. Dans la ville, il y aura les mêmes types de désagréments qu'à Périgueux. Certes, le trafic de Gabart ne sera pas perturbé, mais le parking du Foirail sera réquisitionné, et ce dès dimanche soir. Là, à partir de dimanche, pendant quelques jours, ça va être impossible d'utiliser ce parking. Comment vous allez faire? Oui, mais bon, moi, je ne serai pas dans Bergerac, donc voilà. Bien contente de ne pas devoir y mettre votre voiture ce jour-là. Ah ben, exactement. Pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site web. Surtout, nous insistons encore que vous habitiez à Périgueux, à Sarlat, à Bergerac ou à Aimé. Si vous avez ce genre de panneau là, vous avez l'habitude de garer votre voiture, attention. Et puis, pour vous éviter tout tracas, reste la solution du deux roues. Au moins, le Tour de France aura servi la cause du vélo. Et il se lance dans un sprint. Va-t-il être rattrapé par ses adversaires? Ah, accident de tongue. Ouais.